entering from distance, Zoe Gobbels. Un membre habitué dans l'équipe olympique, avec son plus haut niveau, meilleur. Zoe Gobbels, encore junior, et pourtant, elle va jouer pour la médaille d'or sur ces championnats du monde. Allez, c'est parti, quatre cibles pour départager la meilleure du monde. Nous saurons d'ici une quinzaine de minutes qui va remporter ces championnats du monde. Avec un premier stint tiré par Zoé. Voilà la deuxième flèche de la Belge. Trois points pour l'Allemande Richter. On va partir par le bord de la gauche. Trois points également pour Zoe Gobbels. 4-4-3 à l'issue des trois premières flèches. Elena Richter, 4-4-3 pour Zoe Gobbels. Je vous l'ai dit, ces deux compétitrices sont certainement ce qui se fait mieux en Allemagne pour Richter, habituée à tirer au plus haut niveau, puisqu'elle fait partie de l'équipe olympique allemande. Allez, mesdames, messieurs, nous sommes sur la piste de Belgrade pour partager cette finale en arc classique dame. Il reste trois cibles pour aller se départager. Il reste trois cibles pour aller chercher la médaille d'or. Des conditions exceptionnelles. Tout est réuni pour performer ici, aujourd'hui à Val d'Isère. Qui a déjà remporté les championnats d'Europe. Elle est encore junior, je vous l'ai dit tout à l'heure, et pourtant elle se retrouve au premier plan international. Capacité de sa carrière à performer dans les grands rendez-vous. Comment, is there any German here? Est-ce que la belle fille est parmi nous? Thank you.
Allez, deuxième cible, 12 à 11 pour Elena Richter. Un point d'avance pour l'Allemagne. Un point pour Zoé. C'est pas grave, on revient à cette compétition, pas de soucis. Il y a encore du temps. Allez, deux cibles, 45 mètres en montée pour les deux archères. Oui, 5 points, peut-être 6. Bien joué, X. Très proche du 6 en tout cas. Belle flèche délivrée par Zoé sur cette troisième cible. Quatre points.
points pour Elena Richter. Val D'Isère, 3 points de différence à confirmer. Il y a peut-être un titre pour Zoe Gobbels. On va attendre la confirmation des arbitres. Elles vont maintenant s'attaquer à la dernière cible pour aller chercher la médaille d'or. Dernière cible exigeante, 60 mètres, distance maximum qui peut être tirée en tir en campagne. Alors vous l'avez compris, pour tous ceux qui ne connaissent pas la discipline de tir en campagne, c'est une discipline de parcours. La première journée, les athlètes ont dû arpenter 24 cibles inconnues. Ils ne connaissaient pas la distance entre le filet et la cible. Ils devaient évaluer la distance. 3 minutes pour tirer 3 flèches. Pour la deuxième journée de compétition, ils ont dû découvrir un parcours avec des cibles connues. Donc les distances étaient affichées, mais comme elles sont connues, les distances sont plus longues. Donc demande encore plus de précision. À l'issue de cela, on a gardé les 16 meilleurs, puis les 16e de finale ont permis de mobiliser les 8 meilleurs, les 4. À l'issue des demi, ils ont dû s'affronter sur un parcours de 4 cibles, et puis ben voilà, les phases finales se déroulent sur 4 cibles. On est en finale des championnats du monde à Val d'Isère en France, 23e de ce nom. Dernière cible, 3 flèches pour aller chercher la médaille d'or. 3 points, mais c'est pas l'une de l'autre. Par la pente. Voir contrer cette pente. Quatre points pour Zoe Gobbels. Point pour l'Allemande Elena Richter. Dernière flèche pour aller chercher la médaille d'or. Last arrow for the gold. C'est dit, c'est fait. Gold medal pour Elena Richter. On vient mener.